Bonsoir! Je suis très contente d'être ici, pour vrai, très contente. Je me présente, Mariana Matza Garcia González Fernández Sánchez Pérez Núñez López La Concepción. Tremblay. Ouais, j'ai ajouté le tremblay par mesure de sécurité. Je veux pas que ma mère se fasse déporter. Mais non, je déconne, ma mère peut pas se faire déporter, elle est arabe. Ils prennent trop de risques si elle prend l'avion. Ouais. Je suis venue ici en taxi, à Québec, et je tiens à spécifier que j'ai pris le taxi parce que je viens de perdre mon permis de conduire. Mais en fait, pas parce que je sais pas conduire, c'est que je sais pas boire. Mais il y a une soirée où la vie m'a fait comprendre qu'il fallait que j'aille des limites à mon intensité si je voulais continuer à vivre. Je vous raconte. Il y a pas longtemps, je suis dans un bar avec des amis, puis je bois une coupe de vin. Une coupe. On s'assinera pas pour une unité de mesure. Là. Et je me suis dit, je suis capable de conduire. Fait que j'embarque dans le char. Je sors du char, j'embarque en avant. J'embarque sur l'autoroute et tout va bien. Je fais toutes mes stops. Et à un moment donné, pow! Je me fais réveiller par le sac gonflable de mon Honda Civic 97. Est-ce que vous savez la douleur que ça procure un sac gonflable que ça fait 17 ans que ça n'a pas explosé? C'est l'équivalent d'aller sur un date avec un gars, puis juste au moment où il arrive pour t'embrasser, pow, il te punch dans la face! Et normalement, le premier réflexe que j'ai quand j'ouvre les yeux, c'est de regarder si mon téléphone est correct. Parce que mon char est assuré, mais pas mon téléphone. Et j'étais seul dans le char, détrompez-moi. S'il y avait eu un enfant, ça aurait été différent. S'il y avait eu un enfant dans le char, j'aurais pas checké mon téléphone. S'il y avait eu un enfant dans le char, j'aurais fait « Fuck, j'ai pas pris le bon char! » Et là, t'as le policier qui arrive derrière moi et moi, je suis prise de panique. Je suis comme « Man, c'est fini. Ma vie est anéantie. Je vais mourir. » Et il y a une voix à l'intérieur de ma tête qui me disait « Mariana, relativise. C'est la première fois que tu te fais arrêter. Juste vis le moment. » Fait que quand le policier s'est approché de moi, il m'a dit « Madame, vous êtes en état d'arrestation? » « Non, monsieur, je suis plus en état d'ébriété. » « Madame, tout ce que vous allez dire va être retenu contre vous. » « Ah ouais? » Fait que tout, qu'est-ce que je vais dire, tu vas le noter. OK, note ça. Comment qu'elle a quitté qu'elle a cité qu'elle a qu'elle a qu'elle a qu'elle a qu'elle a qu'elle a qu'elle a. Madame, on va juste vous demander de nous suivre. OK, mais on prend ton char parce que moi, je suis pas en état de conduire, monsieur. Je suis désolée. Désolée. Madame, on va juste vous demander d'aller dans le derrière de l'auto. Quoi? C'est tout? Sont où mes menottes? Fais pas ton chip, c'est la première fois que je me fais arrêter. Je sais que la première fois, c'est jamais la meilleure, mais force-toi! Je veux dire, t'es supposé de me mettre les mains derrière le dos, me donner un kick derrière le coude, puis juste me dire « Pas un geste, Johnny! » Sérieusement, ça, c'est la partie le fun. La partie la moins le fun, c'est que j'ai un dossier criminel. Ça, c'est poche, avoir un dossier criminel. Pour vrai, je vous le cache pas, ça me fait chier. Ça me fait chier d'avoir un dossier criminel parce qu'il y a tout le temps quelqu'un dans ton entourage qui est là pour te rappeler toutes les choses que tu peux plus faire. « Ah, mon Dieu, t'as un dossier criminel. C'est fini, tu pourras plus aller aux États-Unis. » Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre aux États-Unis? Chez moi aussi, je suis capable de faire ça, croire en Dieu et triper beaucoup trop sur le country. Et de toute façon, depuis qu'ils m'ont banni de leur pays, t'as le Pakistan et l'Irak qui m'ont ajouté sur Facebook. Banni d'un pays, vous imaginez, je suis banni d'un pays! Banni d'un pays parce que j'ai bu de l'alcool! Ça va être quoi quand je vais voler une banque? Ils vont me re-rentrer dans l'utérus de ma mère? Qu'est-ce qu'ils vont faire? De toute façon, c'est improbable que ça arrive parce qu'on sait tous que les Arabes volent pas les banques. C'est la job des Noirs. C'est pas vrai, les Noirs ont pas de job. Ah non, c'est pas vrai, les Noirs ont les meilleurs jobs du monde entier. Président des États-Unis, animateur de gala, ils nous conduisent partout où on veut avec leur taxi. Puis eux, au moins, ils ont encore leur permis de conduire. Merci, bonne soirée.